Hello et bienvenue, vous écoutez les podcasts de Only Dog, dédiés au monde canin. Je suis Amy et dans ces podcasts, je vous partage toutes mes découvertes, mes conseils et mes coups de cœur, dans le but de ne pas adopter un chien sur un coup de tête, mais après mûre réflexion. Cette semaine, nous allons parler du Saluki et du Whippet. Le Saluki, ou lévrier persan, est de nationalité iranienne et de souche asiatique. Il fut sans doute importé d'Asie par les Grecs, puis d'Italie par les Romains, lors de leur conquête. Le Saluki est le chien des contes des mille et une nuits, nonchalamment couché sur les tapis orientaux. Compagnon privilégié des Tchèques du monde arabe, le Saluki est considéré avec beaucoup d'égards. Cette race, que les musulmans estiment sacrée, a été exonérée de la loi islamique selon laquelle les chiens sont des animaux sales. Dans les pays arabes, on ne le vend pas, mais on l'offre en signe d'amitié ou d'honneur. Il est aussi bon chasseur de gazelles qu'il est beau. Il a besoin de courir tous les jours et atteint sa vitesse maximale presque immédiatement, mais ne réagit presque jamais au rappel lorsqu'il est en chasse. C'est l'un des plus magnifiques fleurons de la race des lévriers. Il est très sensible, aussi son éducation demande-t-elle beaucoup de doigté. Le Saluki aura été le chien préféré de Toutankhamon. Les chiots Saluki se déplacent comme au ralenti, avec des mouvements élégants. Le Saluki, ce lévrier aux pieds légers, doté d'un odorat et d'une vue extrêmement puissant, était utilisé pour la chasse à la gazelle et au chacal. Sa course très légère donne d'ailleurs l'impression qu'il vole. Les Saluki s'entendent bien avec d'autres races de chiens, mais sont généralement méfiants vis-à-vis d'animaux inconnus. De même, leur affection exclusive pour leur maître les fait paraître distants, voire timides devant les étrangers. Le Whippet. Le Whippet est, avec le petit lévrier italien, le plus petit du groupe, un peu comme un format miniature du Greyhound. Il est de nationalité anglaise. Il a les avantages du lévrier, noblesse, élégance, finesse et rapidité, sans les inconvénients, la fragilité, l'encombrement. C'est un magnifique coureur. Sa vitesse peut atteindre 50 km/h. Comme tous les lévriers, il est beaucoup utilisé dans les cynodromes. Le nom de ce petit chien de course serait une déformation de l'anglais « whippet » qui signifie « fouette-le », en raison des cris d'encouragement que lui lançaient ses maîtres lors des courses auxquelles il participait. Une course de whippet est d'ailleurs un spectacle très impressionnant. Malgré son apparence gracile, c'est un chien robuste, tonique, facile à vivre, sensible et joueur. Un chien de compagnie idéal si l'on respecte ses besoins de se dépenser au grand air. Bien que les whippets soient nés pour la course et la chasse et qu'ils ont besoin de beaucoup d'exercice, ce sont aussi des chiens réservés et très affectueux. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et retrouvez-nous également sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de profiter de chaque instant avec vos loulous.